Cette semaine, j'ai communiqué avec un furet décédé. Et j'ai encore été bluffée par l'amour inconditionnel que les animaux ont envers leurs humains. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que pendant la communication, ce furet a donné de vrais conseils pour sa gardienne. Entre metí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. Donc il lui a expliqué comment mettre des choses en œuvre dans la matière pour pouvoir mieux vivre ce manque et cette disparition. Mais laisse-moi dormir, encore et toujours, il nous enseigne la sagesse. C'est magique. Me comprends-tu la paille? Et un jour, j'ai testé avec des éponges propres. Au fur et à mesure, j'ai commencé à les mâcher et au bout d'un moment, j'ai commencé à les avaler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manger des éponges. Quand ça a commencé, je mangeais une éponge sur une durée d'une semaine. Et au fur et à mesure que j'étais habituée, j'ai commencé à en manger de plus en plus souvent. Et mes parents, ils l'ont découvert, donc ils ont arrêté d'acheter des éponges. Ce qui fait que je me suis rabattue sur le papier toilette. J'ai commencé à prendre des petits carrés et au fur et à mesure j'ai commencé à manger des rouleaux. Et le papier toilette, il n'y a pas spécialement de goût. J'ai essayé les feuilles de papier, j'ai essayé les mouchoirs et j'ai pas du tout aimé. Objectophile, elle se met en couple avec un lustre. What? Découvrez Amanda, une femme au cœur insaisissable, qui ne tombe pas amoureuse des hommes, mais des objets. Fascinant, non? Amanda, avec ses désirs inhabituels, a jeté son dévolu sur un lustre. Pas n'importe quel lustre, mais un nommé Lumière qui, malgré ses 100 ans, ce n'est pas une simple admiration pour son design ou sa luminosité. C'est un amour profond. Et